Alors si c'est toujours l'été au niveau du calendrier, pour beaucoup c'est la rentrée et l'heure des bilans. Du reste, un journal, Le Figaro, s'interroge. Qui sont les camping-caristes qui sillonnent les routes de France ? On y apprend que durant l'été, sur 100 camping-caristes, 54% sont français, 24% allemands, 16% belges, 15% britanniques, 15% néerlandais. On y apprend aussi que la France est une destination très appréciée et que c'est même la destination favorite des camping-caristes étrangers. Cocorico. Comme tu dis, Aurélie, pour toi aussi c'est la rentrée, comme pour Camping Car TV, et tu es même la star d'une vidéo à découvrir sur la page Facebook de Camping Car TV. Je vous souhaite la bienvenue sur ce groupe régional. C'est la grande nouveauté, Camping Car TV lance 13 groupes régionaux sur Facebook. De cette façon, l'information va devenir plus interactive, vous allez davantage participer au programme. Et puis, quand vous êtes en situation de voyage, vous allez y trouver l'information que vous souhaitez, des événements, des bonnes idées, des bonnes adresses. Tapez CC pour Camping Car plus le nom de la région. Comme chaque année, nous organisons les rencontres du Joptimiste. Au programme vidéo et gastronomie, avec tous ceux qui souhaitent s'investir justement dans ces projets régionaux de Camping Car TV. Il reste 3 places pour participer aux séances de formation. Une première séance le mercredi et le jeudi, une seconde le samedi et le dimanche. Bref, une vingtaine de camping-caristes, curieux, généreux et respectueux. Septembre est donc le mois du redémarrage. Pour 73% d'entre vous, c'est même l'occasion de ressortir le camping-car. Et pour 27%, c'est effectivement la rentrée. Les petits écoliers allemands ont repris les cours depuis le 16 août. Voilà sans doute pourquoi le salon de Düsseldorf a lieu un mois avant celui de Paris. Et voilà pourquoi le gardien vérifie que j'ai bien un ticket pour rentrer. On ne plaisante pas avec l'organisation et l'efficacité allemande. Mais je ne plaisante pas, Aurélie. Du reste, la première impression est très bonne. Les camping-caristes sont bien accueillis et chacun dispose d'un petit coin de verdure. Le salon Düsseldorf en un mot, c'est la grand-messe du véhicule de loisirs. Truma est là, évidemment, depuis de nombreuses années, fidèle au salon Düsseldorf et encore pour de nombreuses années. Bien, évidemment, c'est le rendez-vous international de l'industrie. Tout le monde est là. Toutes les nouveautés chaque année sont premièrement présentées ici à Düsseldorf. Donc, évidemment, tout le monde est là aussi. Düsseldorf, c'est le plus gros salon européen du véhicule de loisirs. Et je me demande jusqu'à quel point c'est pas même le plus gros salon mondial du véhicule de loisirs. Donc
Avec un produit comme ESA, on est obligé d'être là. Ah, très très important pour Alden. Même aujourd'hui, pour satisfaire les ambitions d'Alden et pour pouvoir présenter nos dernières nouveautés, c'est incontournable d'être à Düsseldorf. Le monde entier vient là pour choisir, pour faire sa sélection, pour voir ce qu'il y a de nouveau dans le monde du camping-car. Nous ici, on a rencontré nos distributeurs australiens, nos distributeurs américains, nos distributeurs européens. C'est ici que ça se passe. Et pour nous, c'est évidemment une vitrine, des prises de contact à travers le monde, à travers l'Allemagne, à travers la France. Et pour Alden, la croissance est mondiale parce qu'il faut suivre son temps. Alpine est présente sur le salon de Düsseldorf depuis plusieurs années. C'est l'occasion pour nous de venir à la rencontre de nos consommateurs et d'écouter leurs attentes. En ce qui concerne les nouveaux produits, à savoir les GPS Alpine pour les camping-cars, on se donne rendez-vous dès le 29 septembre au Salon du Bourget. Alors évidemment, on va faire la fête à Paris. Bien évidemment également, nous sommes présents dans tous les grands salons européens et le Bourget est aussi une de nos étapes importantes. Vous l'avez compris, toute la caravane salon, puisqu'il s'appelle ainsi le Salon de Düsseldorf, nous donne rendez-vous à notre salon national à Paris, au Bourget, à la fin du mois de septembre, et pour découvrir toutes les nouveautés. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook au groupe régionaux de Camping Car TV. Pour trouver les groupes, c'est très simple, CC comme Camping Car, CC et puis le nom de la région, CC Corse, CC Bourgogne, CC Auvergne, ainsi de suite. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.